Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans cette nouvelle épisode, sur cette nouvelle série, sur Dungeon Rushers, qui apparemment était un jeu français. En tout cas, j'ai été contacté par les développeurs pour faire des vidéos dessus, en tout cas, si je le souhaitais. Et après tout, vu que c'est un jeu français, je l'ai pas encore testé, mais on va en faire ensemble, chers amis. Là, vu que j'ai un bug sur... faut que j'utilise la souris ou le clavier, ou la manette. Campagne, équipe, Eliane, gérer... Eliane, je peux t'appeler autrement, Eliane. Eliane. Non, pas Eliane. Non, la manette non plus. Ça marche, ok. Ça a l'air particulier. Pourquoi pas? En fait, le truc, c'est que j'aurais aimé... équipe, d'accord. Gérer. Vous pouvez choisir à tout moment la position de vos personnages pour les combats. Sinon, le banc de remplacement ne peut être utilisé pendant l'exploration du donjon. Pour cela, déplacer un personnage d'un emplacement à un autre. Ligne de front, ligne arrière. D'accord, ok, donc c'est bon, c'est parfait. Ok, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est un dungeon crawler, donc c'est-à-dire, vous allez avancer dans des donjons, mais qu'il aura, enfin, qu'il a en tout cas bien des aspects qui vont être vraiment sympas, dont la création de donjons. Donc ça peut vraiment être fun à jouer, et surtout à échanger avec vous. Donc on y va, chers amis, alors l'histoire. Eliane n'en pouvait plus de son petit train-train de vie. Chariot, boulot, dodo, il n'en voulait plus. C'est ainsi qu'un matin, sa décision fut prise. Il allait rejoindre la noble communauté des pilleurs de donjons. Notre histoire commence à l'orée de son village, devant une ancienne crypte réputée pour être hantée. Bien, j'imagine que je peux plus reculer maintenant. Je te le dis, t'es pas fait pour être aventurier. Faisait pourtant du très bon boulot en tant que récureur de latrine. Quel gâchis! Laver les chiottes! Plus jamais ça! À moi la grande vie! La gloire, l'or et les femmes! Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tu n'entres pas? Je peaufine ma stratégie. Ta stratégie? Dis plutôt que t'es une mauviette! Allez, retourne à la taverne maintenant! Quoi? Personne, tu m'entends? Personne ne me traite de mauviette. J'entre. Dommage, au fond, c'est un bon petit gars. Bon, le jeton, personnage pendant le déplacement, d'accord. Déplacer la caméra, ok. Les capacités de vos personnages sont disponibles dans un donjon sont avec LT. Quitter le donjon, c'est en haut à droite. Centrer la caméra, c'est RT. Défi d'une bonus du donjon, d'accord, ok, pourquoi pas. Donc si je me déplace là, d'accord, ok, je peux aller par là, ok, pourquoi pas. Ici maintenant, wow, un humain dans nos galeries. Un humain dans nos galeries poussiéreuses. Dehors, tu vas encore tout nettoyer avec tes doigts propres. Aucune capacité disponible pour ce groupe de monstres, d'accord, non. Un squelette. Si seulement je pouvais passer discrètement et éviter le combat. M'éviter, on t'entend venir à 10 km à la ronde. Bon, je vais arrêter de faire les voix parce que je sais pas en faire des masses, finalement. Sans capacité adéquate, impossible d'esquiver l'affrontement. Tu ferais mieux de fuir, gamin. C'est dangereux, ici. Fuir? Jamais! Prépare-toi à te battre, créature impie. Donne à Tibia, il me fonce dessus. Donc voilà, le jeu base énormément sur son humour. Hein. Donc ils ont des immunités, mais je ne sais pas à quoi. Je ne peux pas voir à quoi. Combattre! Ah ben voilà. Waouh. Information des combattants, donc PV, magie, énergie, je dirais. Ordre de tour, d'accord, ok. Info. Ça c'est quoi? Je peux pas voir? D'accord. Immunité, ils peuvent pas saigner. Oui, effectivement, ça me semble logique. Bah écoute, A, pour attaquer. Aïe. Taïo! C'est bon, je l'ai eu. J'ai gagné une épée rouillée, 2 de butin. C'est ça? Comme d'habitude, hein. Vous avez ramassé une épée sur ce squelette. Y. La vie correspond... D'accord, la vie correspond au nombre de points de dégâts que le personnage peut encaisser avant d'être KO. Le mana est une ressource magique permettant d'utiliser de puissantes compétences. L'endurance permet d'utiliser des capacités dans les donjons. D'accord. L'armure, la résistance magique. La chance de parade. La chance de coup critique. La vitesse détermine l'ordre d'action des combattants. D'accord. La magie augmente les dégâts de la plupart des compétences magiques. La force augmente le dégât. D'accord, ok. Quoi? Pourquoi je peux augmenter? Wow, j'étais dans le menu pendant ce temps-là, merde! Ah, salaud, c'est débile! Bon, c'est pas grave. Plus 1, d'accord. Merde, j'ai gaspillé des choses! Éclair, dévoile les salles d'agence qu'à 2 cases. D'accord, ça m'intéresse pas pour le moment.
Wow, un autre squelette, décidément, ils se ressemblent tous. En garde! Encore un gosse qui se prend pour un aventurier, c'est pas un endroit pour jouer ici. Y en a qui aimeraient hanter les yeux tranquillement. Économise ta salive, enfin t'as. Mais enfin. Comment tu fais pour causer d'ailleurs? Oh, et puis peu importe, meurs! Encore. Non mais et repose en paix, ça te dit quelque chose? C'est rigolo, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Par contre, j'ai une épée, pas un arc. Ça dit, j'ai pas fait gaffe si là il sort une épée, mais est-ce qu'il tout à l'heure il a sorti autre chose? Aucun objet, d'accord. Oh, événement inspecté. Bénédiction puissance magique dans un tonneau, bien sûr. J'ai bu tout ce qu'il y avait dans le tonneau. Et c'est bon. Ok, la suite, avançons. Wow, encore un squelette, mais celui-ci est différent. C'est sans doute le maître des lieux. Tados, mage squelette. Gestionnaire exécutif en réalité. Alors, c'est toi qui mets le bazar dans tout mon donjon? Es-tu au courant que cela m'oblige à rédiger un rapport à la direction? Et à te tuer, accessoirement. Tu crois me faire peur, Résil de Schrödinger? Oh putain. Non mais, je vais t'apprendre le respect des morts. Oh putain, Résil de Schrödinger, c'était bon ça. Tu ne peux pas m'atteindre. Je n'ai pas le choix, je vais devoir utiliser mon arc. D'accord, tir précis débloqué. Est-ce que je peux... D'accord, voilà. Hop là. Ah ah! Salaud, il utilise des boules de feu. Ah ah! Tu es mort! Je t'ai eu. Plus 30 points d'XP. Continuons l'exploration. Oh! Événement, d'accord, bonjour. Butin, d'accord. Du caillou. Est-ce que je peux voir ce que c'est? Non, du tout. Un crâne, une corde et du caillou. D'accord, pourquoi pas. Allons voir. Oh, le trésor! Voulez-vous piller le trésor et sortir? Oui. Oui, je veux piller le trésor et sortir. Tous les monstres tués, tous les événements inspectés, 3 capacités maximum. Parfait. Butin, 10 d'or, de la barbaque et un caillou. C'est toujours ça. Wow! C'est sympa! C'est sympa! Trouver le trésor, c'est fait. Non, ça c'est trouver le trésor. Trésor déjà ouvert. Piller mode héroïque. D'accord. Oh, intéressant. Il y a un mode héroïque. La taverne cachée du donjon. Trouver le trésor. 3 potions maximum. Aucun piège déclenché. Donjon dévoilé à 100%. 15 d'or et 3 objets. Parti. C'est parti, allons-y, chers amis. C'est rigolo, j'aime bien. Suite à cette première aventure couronnée de succès, Elian, notre jeune aventurier, partit en quête de richesse et de gloire. Il s'aventura alors à l'entrée d'un donjon abandonné. Mais je... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est pas possible, j'ai dû me tromper. Excusez-moi, monsieur. Que fait une taverne dans un donjon réputé abandonné? C'est évident, on y sert à boire. D'ailleurs, tu ferais bien de t'y mettre, toi aussi. Je n'aime pas trop les touristes qui ne consomment pas. Pour être honnête, je comptais pénétrer dans ce donjon pour me remplir les poches. On ne m'avait pas dit qu'il était déjà exploré. Mais il ne l'est pas. Les premiers aventuriers qui ont découvert cet endroit se sont dit que ce serait plus rentable d'y installer une taverne que d'y chercher le maigre trésor qui doit y reposer. Que voulez-vous dire qu'un trésor gît entre ces murs? Je vais le chercher et moi je pourrais me mettre à la retraite plus tôt que prévu. T'as de l'espoir, toi. Beaucoup de bleus s'y sont aventurés et on les a jamais revus. C'est pour ça qu'on va pas nettoyer l'endroit, ce donjon. D'accord? C'est un peu la section naturelle. Ah oui, faut j'attendre que le truc bouge. C'est un peu la sélection naturelle. Les vrais savent qu'il n'y a que de la bonne bière. Les autres meurent dans les galeries pour 3 pauvres pièces. De toute façon, seule personne n'a aucune chance. Accompagne-moi dans ce cas. Tu as l'air d'être un aventurier aguerri. Tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a en bas? Je ne suis pas un aventurier. Je suis Thorgrim, le meilleur comptable de tout le pays. Elian, enchanté. Mais alors, tu es comptable et tu portes un marteau de guerre et une armure. C'est un métier dangereux, tu sais. J'ai besoin d'un comptable et je te promets que si tu m'accompagnes, ne serait-ce que pour jeter un œil, je te récompenserai. Du boulot pour moi, je suppose que je n'ai plus vraiment le choix. T'es mille pinces, en ici, nous serons riches. Eh, hey, n'oublie pas de payer avant de sortir. Cours, gamin! Ok, bon. Je regarde juste une chose, chers amis. Est-ce que nous sommes toujours dans le cadre? Oui, le cadre est plus grand, de toute façon. Donc, quel que soit l'endroit où je me déplace, je suis dans le cadre. Parfait. Allons-y. Nous sommes deux, nous avons 2 pouvoirs. Un éclaireur ou un truc inconnu. Ok, allons-y. Bonjour. 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 Oh oh! Des monstres, Garidos. Allons-y. Hop. Ça fait mal. Va le frapper. Voilà, c'est bien. Ah, il va avoir le temps d'attaquer, je suis deg. C'est bon. On l'a eu. Victoire. C'est sympa. J'aime beaucoup. Ok.
Un mage? Pourquoi pas? Ah, il attaque avant le sac. D'accord. Boum, t'es mort. 3 pièces d'or. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Un piège, il y en a un peu partout. Un gosse malin comme toi, tu peux les repérer et les activer, non? Ça ne serait pas plus simple de les contourner simplement? Ah non, s'il y a un piège sur un chemin, soit tu les actives, soit tu le déclenches. C'est l'usage. Soit. Saboteur, coût 5 en énergie. Mais écoutez, on y va? Crac. Parfait. Mais du coup, c'était quoi les... attendez. J'aimerais voir les... Les défis bonus, je m'en rappelle déjà plus, moi. Oh, un combat. Bon, c'est pas grave. Lancier squelette. D'accord. Niveau 2. Oula. Lui va être un peu plus balèze. Ah ah. D'accord. Est-ce qu'il y a un système de... Je sais pas. Ce monstre a une armure très solide. Laisse-moi utiliser une attaque magique. Par la foudre de Thor. Ouh. Par la foudre de Thor. Boom. Bitch, get out the way. Aïe. J'ai plus d'armure. Enfin, j'ai moins d'armure. Frappe! C'est bon. Ok. Suite. Ça n'ensemble pas une salle du trésor. Et puis ce nœud n'ont pas l'air bien vieux. Peu importe, regarde, j'ai trouvé le coffre. Mais il n'y a presque rien là-dedans. Je me demande si. Il n'y a que quelques pièces et des papiers. Tiens, il y en a un qui porte ton nom. C'est ce que je craignais. Glabrognome. On est dans la réserve de la taverne. Et c'est mon ardoise que tu as dans les mains. Mais alors, comment est-ce. Où est le vrai. Mais. Tu en as 2000 pièces d'or? Embarque tout et filons d'ici avant que nous fassions. Avant de nous faire repérer. Et surtout, gardons l'air innocent. Non, pas maintenant. Je suis pas d'accord. Voilà. Des monstres. Je vais pas pouvoir l'attaquer l'autre. Donc, je préfère faire ça. Ah, je peux pas le tuer en un seul coup ? Merde! Il peut pas attaquer, cela dit. D'accord. C'est bon. Ouf, je prends cher. C'est bon, on l'a eu. Je me rappelle plus du tout. Event. Bienvenue, étranger louche type. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Je suis un bienfaiteur désintéressé. J'aide les aventuriers qui croisent ma route. C'est dangereux d'avancer seul. Prenez ça et je vous donne une potion. Ah, eh bien, merci. Je vous dois quelque chose. Hé, hey, écoutez, je ne fais pas ça pour apporter ma contribution à votre noble quête. Je ne fais ça que pour apporter votre contribution à votre noble quête. D'accord, continuez votre aventure, je vous en prie. Étrange personnage, c'est vrai, mais peu importe, on aura au moins gagné une potion. Voilà, j'ai tous les events et j'ai tous les défis bonus de réaliser. D'accord, ok, c'est cool. Merci. Piller et sortir, buter à 3 potions maximum, donjon 100% dévoilé, aucun piège déclenché. Du fil, une rustine et de la corde, d'accord, ok, pourquoi pas. C'est pas vraiment le butin qui m'intéresse, hein, en vrai, hein, soyons honnêtes. Ok, on en est où dans l'épisode, chers amis? 13 minutes, ça avance bien, ça se fait bien. Ah, je peux pas, si, je peux y retourner. D'accord. On peut voir que j'ai rien débloqué au niveau de l'atelier, de l'échoppe, du chantier et de l'arène, donc on va continuer comme ça. Tous les monstres tués, aucune capacité, tous les événements inspectés. Allons-y. Arrête! En sifflant, tu empestes la culpabilité à 3 lieues de la ronde. Et on fait comment pour avoir l'air innocent alors? On ne fait rien. Croisant mon expérience, avoir l'air innocent, c'est mon métier. Bon, ne traînons pas, le prochain donjon est encore loin. Quoi? Déjà? Mais on vient juste de sortir celui-là. Écoute, je ne vais pas te faire un cours de compta, mais avec le maigre pécule qu'on vient de se faire, on a intérêt à ne pas traîner si on veut rester à flot. Tu as raison, mais alors dépêche-toi, il faut se mettre en route et avec tes courtes jambes, tu nous ralentis. Sais-tu, gamin, que je trouve particulièrement irritant? Ok, on est déjà dedans, parfait. Bonjour, événement. Oh, bonjour, bénédiction, protection magique. Cool. Merci. Oh, événement. Fuite, furie, pardon. J'imagine qu'on fera plus de dégâts. Oui, c'est cool. Oh, cul-de-sac, d'accord. Un piège.
Armure, vous avez dit armure, jamais vu. Pain d'acide. On a une protection à l'heure actuelle, mais je vais quand même le désactiver. Oh, cul-de-sac, d'accord. Oh, des monstres. Guerrier d'os et mage squelette. D'accord. Attention, ce groupe-là est assez violent. Hein. Hey gamin, j'ai gagné cette fiole de poison en pariant à la taverne. Essaie d'enduire ta lame avec ça. Lame empoisonnée débloquée. D'accord, c'est un sort, hein, donc d'accord, ok. Pas véritablement ce que ça lui a fait. Je ne vois pas véritablement ce que ça lui a fait. Ça y est, là ça l'a fait. T'es mort. Ok, cool. Donc sur les squelettes, oui, effectivement, ça n'était pas censé marcher, mais bon. Pourquoi pas. 6 et 2, niveau 2. D'accord. Un autre personnage est monté de niveau et a obtenu des points de talent. Vérifie son onglet talent pour les attribuer. D'accord. Non, arrête de me montrer ça. Sérieusement, arrête. Compétence de base, talent. D'accord. Breteur, archer, rôdeur. Bonus de critique. Plus 3%, augmente les dégâts du tir précis, augmente les dégâts de perforation. Alors, Elian a l'air d'être véritablement un rôdeur, hein, si je puis dire. Immunité face à la peste, reçoit les meilleurs soins. Donc, éclaireur, en plus, hein, d'accord. Éclaireur, 25% de chance de dévoiler une case supplémentaire. Réduit le coût de saboteur. Ça peut être carrément intéressant. Apparemment, il y a un truc qui a l'air épique ici, là, mais j'arrive pas à l'atteindre. Non, je vais essayer de prendre la souris pour y aller. Je peux pas. Là, c'est bon. Capacité passive, archer habile débloqué. D'accord. Il y a donc des capacités passives. Ok. Bah écoutez, je vais mettre ça là. Avec l'épée. Ce que je n'aurais pas dû faire. Mais c'est pas grave. Hop, continuons. Qu'y a-t-il par ici? Oh, un événement! Malédiction, brise armure. Oh merde! Connard! Ah, ok, je passe. Ah! Je relance de 5 côtes! Arbalétrier, merde! Je suis sûr que tu bluffes, tapis! Ça vous ennuierait de vous occuper de nous? Ou non pas qu'on est occupé là, c'est la partie de ma vie! Enfin, de ma mort! Bref, vous m'avez compris, repassez demain! Mais nous venons de loin pour explorer les donjons, vous savez? Je m'en moque, et toi, montre-moi ton jeu! S'il vous plaît, ce n'est pas correct, Eliane, apprenons-leur la politesse. Ok. De toute façon, mieux vaut mort que jamais. Elle était nulle celle-là. Hein. Boum! Il est bien plus rapide que nous, cela dit. J'aurais peut-être dû le tuer en premier. Ce n'est pas grave. La suite. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, un coffre! Non, c'est pas ça que je veux. Sorcière. 43-28, 43-29, 43-30, 43-31. Elle est en train de faire tous les codes en fait. Mais que faites-vous? Une seconde, 43-33, non. Ah, vous m'avez fait perdre mon compte. Je vends des objets aux aventuriers qui pénètrent dans les donjons. Ah, super, montrez-nous ce que vous avez à vendre. Pas ici pour vos inconscients, je suis là uniquement pour faire de la pub. C'est moyennement légal ce que je fais d'ailleurs. Retrouvez-moi dans mon échoppe plus tard si vous souhaitez marchander. Et chut, ils nous surveillent. On trouve vraiment n'importe qui dans les donjons. Tu parles de moi, gamin, fais attention. Pas maintenant. J'ai encore des choses à faire ici. Oh, une prison. C'est génial, même là, franchement, je trouve ça super stylé. Un combat! Arbalétrier, parfait. Ils sont assez faibles, finalement, au corps à corps, mais ils attaquent en premier, les sacs. Question. D'accord. Boum. C'est fait. Merci pour l'XP. Et l'or. Crac. Ah merde, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Bon, ça m'emmerde, il y a un truc que j'ai pas fait. Ce qui me fait penser d'ailleurs que... Ah bon? J'ai un point en plus? Ah, je peux en mettre deux, d'accord.
Bah écoute, j'en mets deux, hein. Hop, pas plus mal. L'autre personnage. Non. L'autre personnage. RT, voilà. Alors, attendez, c'est quoi l'autre compétence du coup qu'on a pas vu? Trombe, tournoie vers les ennemis et frappe la ligne de front. D'accord. Okay. Toute la ligne de front, c'est ça qui est pratique. C'est ça qui est bon, comme on dit. Bonus de armure. Capacité passive. Constitution naine débloquée. Ça m'intéresse. Boire une bière ne vous rend pas ivre. Passif. Bah écoute, vas-y, fais péter. Ensuite, on a quoi? Oh la vache. Ouais, je prends, regardez ça, eh. 15% de la découverte d'objets. Waouh, génial. Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai pas tout. Pas tout. Aucune capacité, j'ai utilisé une capacité à un moment apparemment. Ah bon? Psst, par ici, vite avant qu'il ne nous voie! Bonjour madame. Et chope Paris. D'accord. Regarde un peu ce que j'ai, n'oublie pas, mon stock change de temps en temps. Le problème c'est que je sais pas moi ce que tu veux, ce que je dois vendre, ce que je dois... D'accord, on parie. C'est les paris, parier plus pour gagner plus. T'es rigolote. Gain, bière du berserker. D'accord, c'est un objet aléatoire, ok. Ok, j'aurais bien aimé savoir avant. Alors, j'ai pas tout fait déjà, donc je suis pas... Aucune capacité, tous les événements inspectés. On va le refaire, chers amis. J'ai pas tout fait, je le refais en entier. Ok, on a encore 5 minutes, c'est bon. Inspecter, surprise! Des ennemis! Je m'en doutais. J'aurais dû m'en douter! Bouf! T'es pas empoisonné, fais chier. Fireball! Boom, bitch! Ok. La suite! Ça va nous faire de l'or en plus, c'est pas grave. C'est exactement le même ou... Oui, c'est exactement le même. D'accord. Des monstres! Salut les filles! Oh les filles! Oh les filles! Putain, j'ai utilisé une capacité, non? Oh, il a bloqué le sac. Mais j'ai utilisé une capacité, non? Bêtement. Je sais pas. Je sais pas si je l'ai fait. Je crois que oui. Je crois que je me suis niqué tout seul. Ah, fais chier. Oui? Attendez, on va le refaire. On le refait, chers amis. On y arrivera. Bah ça se trouve non en fait, mais bon c'est pas grave. Ah y'a plus de bénédiction ici. Là non plus. Enfin là y'avait rien de toute façon tu me diras. Crac, crac, crac. Crac. Bénédiction. Butin. D'accord, on a gagné une potion. Pourquoi pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui sont aléatoires, d'autres qui ne le sont pas, c'est intéressant. Allons-y. Oh, fais pas chier. Fais pas chier. Je brûle, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, c'est bon. Hop, la suite. Crac. Là, y'a rien, c'est parfait. Aucune capacité. Aucune capacité, déclencher le piège. Peut-être ça que j'avais fait en fait finalement. Événement. Puissance magique. D'accord, cool, merci. C'est toujours... Ah, des monstres. Ah, bah les tri... Ah oui, il est pas très très dur, lui, je m'en rappelle. Mais il attaque en premier, sec et casse-couille. Ah bah, je l'ai one-shot, excuse-toi. Ça vient de nulle part. Ça s'appelle l'immense puissance. Malédiction. Mais t'es sérieux, là? Mais on va crever si ils sont plus. Ah là, c'est ce que je disais. Je suis mort.
T'es débile ! Votre équipe a été vaincue. Vous avez échoué. Ah merde, j'ai pas eu le temps. Merde. 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 Allez, shop, qu'est-ce qu'ils vendent ? Oh ! Là, tu vois un truc qui m'intéresse potentiellement. Si tu veux bien que j'y aille. Merci. Dague en fer. D'accord. Niveau requis plus 1 pour 30 pièces. Cuir souple, d'accord, ok. Anneau d'agilité. Je prends ça et ça. Merci. Ok. Y. D'accord, il n'y a pas d'effet, d'accord. Finalement, celle-là serait sans doute mieux. Par contre, je peux mettre l'anneau d'agilité sur lui. Ok. Niveau requis pour boire de la bière, 5. Ça me semble logique. Je voulais juste aller voir, par contre, chers amis, du coup. Ah, par contre, il a pas d'arme. Ah, merde. Excuse-toi, fallait me le dire. Du coup, oui, je disais. Oh, ça lui va bien aussi, ça. Par contre, oui, j'aimerais bien que tu te... Oui, enfin bon, c'est pas grave. Ok. Bon, on y retourne, chers amis, on va essayer de le faire. Hein. J'insiste, chers amis, on a 26 minutes, c'est pas grave. On y va. Allez, bénédiction, regain de mana, cool. Le goût du Rix. Goût du Rix. Goût du Rix. Bonjour. Il était temps que nous nous rencontrions encore. Merci pour la mana. Mais lui, il va faire encore plus mal, du coup. Bon là il a pas fait énormément de dégâts mais... Insiste pas sur moi merci. Voilà. De toute façon on est tous les deux enflammés donc ça fait chier. Hop, merci. La suite. Descends, gauche, rien. D'accord. Allons-y, dépêchons-nous. Combat. Ah non. Ah bon. Ah bah il n'y a plus, mais même plus la salle là en bas. Ah là il y a un event. D'accord. Butin, une bière, une binouze, apparemment. Je me demande ce que c'est comme binouze. Un piège. C'est un piège. Ok. Non, non, désolé, je laisse le piège faire. Ok. Dis-moi pas qu'on est encore enflammé. On est encore enflammé. Je vais pas tarder à crever. Je peux tirer des objets dans ce cul-là, de toute façon. On est d'accord. C'est quoi cette bière? Supprime les effets négatifs. Oh! Voilà, effet, je suis alcoolisé, c'est ça, non? C'est ça, je vais être alcoolisé. Ça supprime les effets négatifs, sauf celui de l'alcool. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Pourquoi pas? Ok. Salut les filles! Aïe. Ah bah, comme ça, c'est clair. C'est extrêmement dur celui-là de l'avoir sans... Ah! Bon. D'accord. L'échoppe a encore des trucs nouveaux. A chaque fois que vous mourrez, l'échoppe vous donne des choses nouvelles. Donc c'est pratique parce que ça permet en fait de continuer à avancer si je puis dire. C'est quoi ça déjà? Sceptre. D'accord. Ok, bon bah pourquoi pas. Bah je suis dévexé de pas avoir réussi à tout faire. Mais apparemment ça prend pas en compte... Ah si, il y a la petite truc au-dessus. D'accord, bah écoutez, on va s'entraîner un petit peu. On va se retrouver dans un prochain épisode en tout cas, on va s'entraîner sur le prochain donjon. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager et vous abonner. Le jeu coûte 15€ sur Steam, donc si vous voulez le voir, allez regarder au moins la page. Moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur ce jeu, donc salut les gens, c'était Marcus Bonus d'avoir dans la Playroom. A plus pour d'autres. J'ai complètement bugué sur mon micro. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Là, je refais toute la vidéo. Non, c'est bon. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!